Dieu est caché et parfaitement connaissable. Il n'entend pas que nous soumettions notre croyance à lui sans raison et ne prétend pas nous assujettir à lui avec tyrannie. Il ne prétend pas nous aussi nous rendre des explications pour toutes choses. Il entend tout simplement nous faire voir clairement, par des preuves convaincantes, des marques divines en lui, qui nous convainc de ce qu'il est, et attire notre attention par les merveilles et les preuves que nous voyons par sa parole dans la création et que nous ne pouvons refuser. Nous ne pouvons pas croire les choses qu'il nous enseigne si nous n'y mettons pas notre foi, si nous ne prenons pas le soin d'y chercher la vérité. Si nous ne méditons pas les écrits, nous ne pouvons alors pas le connaître. Le Seigneur a voulu se rendre parfaitement connaissable et paraître à découvert à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et il a désiré se cacher à ceux qui le fuient de tout leur cœur. Au lieu de nous plaindre de ce que Dieu s'est caché, nous devons lui rendre grâce de ce qu'il est et de ce qu'il s'est tant découvert. Et lui rendre grâce aussi de ne pas s'être tant découvert aux sages, aux savants, qui sont de superbes indignes de connaître un Dieu si saint. Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir, et assez d'obscurité pour ceux qui sont dans une disposition contraire.